القدرة الشرائية للمواطن وخاصة من خلال الإعفاء على ضريبة على الدخل الإجمالي ليرجي ومراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، رفع من نقطة الاستدلالية ورفع التجميد على ترقيات في الوظيفة العمومي وإرساء منحة البطالة ومراجعة معاشات المتعاقدين. أيضا يخص من باب التدابير للدعم القدرة الشرائية والتحسين الإطار المعيشي للمواطن، فنذكر من أهم التدابير هناك إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة على TVA خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وأيضا تمديد الإعفاء المؤقت على رسم القيمة المضافة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2025 للمواد الأساسية كاللحوم والبقول الجافة، مع فرض نسبة منخفضة للحقوق الجمركية، وهذا الامتياز تم توسيعه إلى استيراد الأغنام أيضا. Dans un contexte marqué par la mise en œuvre d'un nouveau modèle de gouvernance, le ministre des Finances, Laziz Faïd, a dévoilé les grandes lignes du projet de loi de finances 2025. Présenté devant les députés, ce projet marque la troisième année consécutive où le budget est élaboré selon une approche programmatique, reflétant ainsi les orientations de la politique publique et la projection budgétaire à moyen terme, 2025 à 2027. Cette loi de finances clôt une période particulièrement éprouvante sur le plan budgétaire, notamment en raison de la gestion des conséquences de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, le ministre a souligné les efforts consentis pour résorber les retards d'investissement. Ainsi, 982 projets gelés depuis 2014, représentant un montant de 1838 milliards de dinars, ont été débloqués. De plus, plus de 374 000 postes ont été créés dans la fonction publique entre 2020 et 2024. Enfin, le ministre a rappelé que de grands projets d'infrastructure étaient en cours de réalisation dans les secteurs des travaux publics, de l'hydraulique, du logement, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, de l'énergie, des mines et des transports. Ces projets, au nombre de 178, représentent un investissement total de 9 815 milliards de dinars. En résumé, le projet de loi de finances 2025 traduit la volonté des autorités de poursuivre les efforts de relance économique et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, tout en assurant la pérennité des finances publiques.